particulièrement les droits anciens heures. Et comme Pierre le mentionnait, c'est une question qui nous a souvent été posée au cours des 48 dernières heures qu'on a passées à Québec. Est-ce qu'on devrait revoir le chandail des Nordiques de Québec? Les avis étaient partagés et je pense que le geste que l'on vient de poser est un très beau geste qui finalement va satisfaire tout le monde. On avait applaudi, ça allait bien, mais lorsqu'on a vu les trois chandails des Nordiques, tout le monde s'est levé debout, même les partisans avec des chandails du Canadien, les estrades. Alors, très émouvant et un beau geste des deux équipes. Jacques, avant de retourner aux cérémonies d'avant-match, peut-être jeter un coup d'œil sur ton plan de match pour ce soir, si tu es dans les souliers de Michel Therrien. Écoute, c'est sûr et certain que tu dois aider le sidekick Forsberg. Le meilleur duo de la Ligue nationale. Surveille attentivement Rock Blake qui se présente toujours dans la table. Mette la pression sur Patrick Roy parce que je te promets, il va en jouer tout un ce soir. Il était prêt ce matin, Patrick. Et là, on vient de présenter Joe Sakic à la foule. Et évidemment, c'est l'ovation de la part des 15 000 personnes ce soir au Colisée. Cérémonie qui va précéder le match de ce soir. On va entre autres rendre hommage au fondateur des Nordiques de Québec. Il faut rappeler que c'est le 30e anniversaire de fondation des Nordiques. C'est en 1972 que l'équipe a vu le jour. À l'époque, c'était dans l'Association mondiale de hockey. Et on va rendre hommage ce soir aux gens de la première heure qui avaient obtenu cette franchise dans l'Association mondiale qui éventuellement allait permettre aux Nordiques de joindre la Ligue nationale. Et aujourd'hui également, Alain, le 28 septembre, il y a 30 ans, Phil Esposito comptait le but de la victoire. Le Canada battait la Russie la même journée, il y a 30 ans. Alors, il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses.